Hey, je viens faire la FAQ partie 2. Il y a tellement de questions que je pense qu'il y aura même une partie 3. Donc sans plus tarder, on y va. Quelle serait la chose la plus folle que tu aimerais faire ou accomplir avant de mourir? Je pense que j'aimerais déjà aller au Sénégal parce que bah, je suis à moitié sénégalaise, même si je n'ai pas du tout de relation avec mon géniteur, n'est-ce pas? J'aimerais quand même bah, voir ce que c'est, voir ce pays. En plus, j'en ai souvent entendu que du positif. Si j'adorerais faire un saut en parachute, enfin, ça fait un moment que j'en parle, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Et troisième point, mais ça, je sais que c'est pas forcément très réalisable, je kifferais, mais vraiment pouvoir aller genre une semaine dans n'importe quel pays pour aider à la construction, vous savez, des écoles pour les enfants là-bas. Quelle est ta prochaine envie coiffure, coupe et couleur? Alors j'ai deux envies exactement. J'ai envie de me faire natter, vous savez, les nattes africaines à l'ancienne. J'ai très envie d'avoir des nattes ou des vanilles, mais longues, vous savez, noires, soit assez... Enfin, pas les petites, mais on va dire celles qui sont médiums, pour pouvoir me faire des gros chignons tressés... Et la deuxième chose, c'est faire un corps plus blond que j'ai là. C'est un blond que j'ai déjà eu en juin 2015. C'est un blond un peu plus doré que ça, parce que ça, c'est entre le caramel et le blond. C'est pas tout à fait blond même. Et voilà, j'hésite entre ces deux choses. Dans quel domaine tu travailles? Donc, je travaille dans le domaine des mutuelles. Quel est ton objectif niveau poids? Bah, mon objectif était de 99 kg, donc là c'est large, enfin c'est dépassé. Niveau alimentaire, mis à part des quantités d'autres choses, ont changé pour toi depuis l'opération? Oui, en dehors de la quantité, je dirais que mes goûts ont tout simplement changé. Enfin, il y a des choses qui me donnent plus du tout envie, il y a des choses qui me donnent grave envie que j'aurais pas forcément envie de manger avant. Donc ouais, ça a changé parce qu'en fait, au niveau des goûts, c'est complètement différent. J'apprécie plus du tout trop. Enfin, la phrase qui veut rien dire. J'apprécie plus du tout trop. Je n'apprécie plus tout ce qui est pané, par exemple. Alors qu'avant, je me ruais sur les poissons panés, les cordons bleus, tout ça. Et aujourd'hui, ça me dégoûte un peu, donc oui, bien sûr, plein de choses ont changé. C'est comme si on repartait à zéro, en fait, avec l'alimentaire. Je pense être plus âgée que la majorité de vos abonnés. Alors, voici ma question. Quel est, selon toi, le profil type des abonnés? Sans tomber dans la caricature, mais d'une tranche d'âge, peut-être leur centre d'intérêt. Donc ça, c'est une bonne question. Pour savoir ça, en fait, je regarde, vous savez, sur YouTube, on a des statistiques, donc sur la démographie, sur où sont positionnés les gens, quel âge ils ont, voilà. Donc je sais que la majorité des gens sont en France, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent en région parisienne. Alors moi je dirais le profil type, je pense qu'il y en a deux. Il y a le profil de tout ce qui est à l'alimentaire, à la perte de poids, à la rondeur, ou des choses comme ça. Et le deuxième profil type, c'est toutes celles qui s'intéressent justement au maquillage, à l'esthétique et qui sont arrivées sur ma chaîne parce que je parlais de tout ça. Concrètement, je pense que c'est des personnes qui ont entre 18 et 25 ans, sachant qu'il y a quand même des très jeunes filles qui me suivent, ce qui est très étonnant. Au niveau de la population aussi, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais il y a quand même pas mal d'hommes. Penses-tu faire de la chirurgie réparatrice? Alors oui, de plus en plus, hein, évidemment, sur... c'est dingue comme on évolue, parce qu'il y a quelques mois ou il y a quelques semaines, je disais oui, pas forcément et tout, mais... Si je referais mes bras, alors quand, je sais pas quand, mais en tout cas oui, je vais faire de la chirurgie réparatrice parce que mes bras, c'est juste pour du confort, hein, enfin il y a de l'esthétisme bien sûr, mais aussi pour le confort, pour éviter le frottement. Puis merde, j'ai maigri et tout, c'est pas pour me claquer un autre, un complexe, enfin supérieur limite au complexe que j'avais par rapport à mes rondeurs, donc voilà. Combien de kilos voudrais-tu encore perdre? Là honnêtement, j'ai plus vraiment d'objectif de poids. Je sais que je suis pas dans l'IMC normal, je suis encore en surpoids, mais j'ai plus vraiment d'objectif de poids, d'objectif de perte de poids. La seule chose que j'ai en objectif, c'est surtout de ne pas grossir, parce qu'au bout d'un an, c'est là où vraiment commence le combat, parce que ton estomac s'est rapetissé effectivement, donc il a fait son boulot, mais ton corps c'est aussi et ton cerveau se sont habitués justement aux proportions que tu ingères. Et c'est là où il faut faire très attention, parce que c'est là où commence parfois pour certaines personnes la reprise de poids. A savoir qu'après cette opération, on reprend généralement 10% de sa masse perdue. Et c'est là où je serre les fesses en me disant quand est-ce que ça va commencer la reprise de poids. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je fais justement encore plus attention qu'avant. Pour moi, le combat, il commence là maintenant. Le regard des gens sur toi en tant que ronde, t'as jamais dérangé? Bien sûr que si, ça m'a dérangé. J'ai eu des regards très très méchants, très mauvais, très malveillants. Et de dire que ça gêne pas, c'est de l'hypocrisie. T'es-tu toujours accepté? Oui et non. Enfin, c'est une question qui est toujours un peu dérangeante pour moi. Qu'est-ce que c'est que vraiment s'accepter?
puisqu'on a le choix en même temps, hein. Donc oui, je me suis quelque part toujours acceptée, mais disons que je m'acceptais telle quelle, mais je savais que je voulais changer en tout cas. Quels sont tes projets pour cette année? Alors, je crois que je l'ai déjà dit dans notre FAQ, enfin bref, là vraiment vraiment le permis. Un pays que tu aimerais visiter? J'aimerais beaucoup visiter la Grèce, la Croatie. Un peu tout en fait, hein. J'aime bien aussi les pays de l'Est, j'aimerais bien... À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Par quoi as-tu commencé? J'ai dû commencer à me maquiller vers 11 ou 12 ans et j'ai commencé par le mascara et le fard à paupières. Je me souviens, j'avais un fard à paupières duo jaune et vert et ma mère m'avait dit alors tu mets le jaune... à l'intérieur et le vert à l'extérieur. Déjà ma mère m'avait déjà expliqué comment ça fonctionnait les dégradés, donc j'ai commencé par ça. Je me suis vite aperçue que c'était pas des couleurs qui m'allaient, en plus à l'époque il n'y avait pas de base à paupières donc ça tenait pas, enfin voilà. Et en fait j'ai commencé à vraiment aimer le liner parce que je suis tombée sur une photo d'une fille qui était dans le magazine Miss ou Girls, je sais pas, mais en tout cas cette fille là était superbe et elle avait un joli trait de liner et là j'ai commencé à faire une obsession sur le liner et la bouche rouge. C'est très très jeune, mais sauf que la bouche rouge, ma mère m'aurait juste déglinguée et le liner c'était pas non plus possible, j'étais un peu jeune. Du coup l'alternative que j'avais c'est que je mettais du mascara de couleur, aucun rapport, mais je mettais du mascara violet de chez Yves Rocher et j'aimais trop, même si c'est frité parce que j'en mettais des tonnes et qu'à la fin de la journée j'avais des yeux dégueulasses, plein de petits morceaux de mascara. Mais voilà, j'ai commencé avec ça, j'avais bien entendu des rouges à lèvres de la marque L'Oréal, très irisés, très nacrés du moins, horribles, enfin bon voilà, j'ai un peu tout testé. Alors, quelles sont tes habitudes bizarres? Alors j'ai des habitudes bizarres d'un point de vue alimentaire, hein, elle parle de l'alimentaire. Quand je fais des sandwichs, donc par exemple un sandwich, je sais pas, un pique-nique, je mets toujours mes chips dans le pain. Enfin, tu vois, toi, elle en parle, cette fille-là, elle dit qu'elle mange des chips dans du pain. Je mets pas que les chips. Par exemple, je sais pas, je vais mettre une tranche de jambon, cornichon, machin. Je vais mettre les chips, je vais éclater mon sandwich, je vais pour péter les chips dedans. Et j'aime trop parce que ça donne un croustillant. Je sais pas si vous faites ça, mais j'ai toujours fait ça depuis que je suis allée à la piscine, genre quand j'étais au collège ou même en primaire. Et je prenais toujours un petit paquet de chips et j'ai toujours pété mes chips dans le pain. Sinon des habitudes bizarres, je sais que je suis pas du tout dérangée par le fait de manger salé le matin. Pour certains ça paraît très étrange, mais je mange des croque-monsieur le matin, ça m'arrive. Et sinon j'aime beaucoup à l'époque avec mon papa, on faisait donc du café noir et je trempais donc du pain grillé sur lequel je mettais du pâté de foie. Je trempais dans le café noir sans sucre et putain, rien que quand j'y pense j'ai envie d'en bouffer. Mais voilà, le matin je pourrais te manger tout ce qui est possible et inimaginable, le fromage, les gens du nord, les gens du Nord vont sourire. Ça me dérange pas du tout de mettre du camembert sur du pain ou du maroilles sur du pain dans du café le matin. Voilà, je vous ai écœuré, voilà, autre chose. Quelle est la première chose que tu fais à ton réveil le matin? Je craque une perle. Ami de la poésie, bonjour. La première chose que je fais le matin, j'éteins mon réveil avec ma gueule d'aimable et je regarde mes publications sur Instagram, sur Facebook, je regarde ce qui s'est passé. Ouais, après qu'est-ce que je fais? Généralement je débranche mon chargeur parce que mon téléphone était chargé toute la nuit. Je prends mon casque parce que le soir j'aurais écouté quelques vidéos, donc je prends mon casque et je descends la tête dans le cul. Voilà. Comment as-tu rencontré ton compagnon? Alors j'ai rencontré mon compagnon lors d'un anniversaire, tout simplement. Que penses-tu des cosmétiques naturels, bio? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire ou pas du tout? Justement cette question elle est pertinente parce que je suis justement en train de m'intéresser à tout ce qui est naturel bio pour les soins et notamment pour l'alimentaire. J'ai remarqué, en fait ça a commencé comme ça, j'ai remarqué que lorsque je prenais des bananes classiques, au bout de quelques jours elles noircissaient et elles étaient abouffables. Je déteste quand les bananes sont molles. Et j'ai acheté donc des bananes bio, par contre elles tenaient grave le choc, elles étaient bien dures. Hors contexte c'est... Oh la gamine! Souvent que les fruits bio étaient meilleurs, donc j'ai commencé par vraiment me faire plaisir sur le bio au niveau des fruits. Pas parce que je crois forcément à l'écologie ou pas du tout, parce que ce mouvement-là, c'est à tort certainement, mais je suis pas spécialement touchée par tout ça. Et là, je suis justement en train de me... Enfin, je me suis en train... J'ai acheté, on va dire, de l'huile de coco vraiment pour me démaquiller et du savon d'Alep. Donc ça veut pas dire que je vais regarder la composition de tous les produits, loin de là. Si demain on t'offre un voyage dans le pays de ton choix, où pars-tu? Je pense à l'Australie. Qu'est-ce que ton régime t'a apporté de plus dans ta vie? Alors, Mimlol 3, je ne suis pas au régime. Je pense que tu veux savoir ce que ça a apporté le plus dans ma vie, l'amaigrissement. J'ai envie de dire un confort de vie que je n'avais pas avant, donc voilà.
Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés avec JC et depuis quand êtes-vous ensemble? Alors, on s'est rencontrés en juin 2014 et on est ensemble depuis le 12 juillet 2014. Quel est ton métier? Donc, je suis gestionnaire de la relation client. Est-ce que tu aimes lire? Non, pas du tout. Si tu devais choisir une manière d'être maquillée, pareil, toute ta vie, que choisirais-tu? Un liner noir et une bouche pas rouge, mais ouais, je change quand même. Une bouche bois de rose. Combien de coupes couleurs as-tu fait? Oh, oula. Je crois que je vais pas tout mentionner. J'ai fait du rouge, j'ai fait du noir avec du bleu. J'ai fait du blond, j'ai fait plusieurs nuances de blond. J'ai fait du rouge, j'ai fait du rose, j'ai fait du noir, j'ai fait du brun. J'ai fait beaucoup de choses. Ton top 3 films ou séries favoris? Top 3 films. J'ai toujours du mal à répondre à ça. Je dirais Inception, Requiem for a Dream, Gran Torino par exemple, mais il y en a beaucoup que j'aime, hein, des films. Série favorite, donc je dirais New Girl, Walking Dead et Gossip Girl. Demain, le monde sombre dans une apocalypse zombie, que fais-tu? Putain, qu'est-ce que je fais?